à tous. On débute notre journal du Mercato du côté du Paris Saint-Germain. Les Parisiens devraient en effet voir partir d'ici quelques semaines leur latéral droit, Serge Aurier. L'Ivoirien aurait trouvé un accord avec Manchester United pour un contrat de 5 ans. Reste désormais aux Red Devils à s'entendre avec les Parisiens. Ce que ces derniers ont réussi à faire pour Juan Foyth, le défenseur argentin se serait en effet mis d'accord avec le PSG et devrait débarquer dans les prochaines heures dans la capitale. Monaco, de son côté, est tout proche de finaliser l'arrivée de Gianelli Imbula. L'ancien Marseillais, en perdition à Stoke City, devrait être prêté à l'ASM cette saison avec une option d'achat quasi obligatoire, estimée entre 14 et 18 millions d'euros. À Lyon, le mercato ne semble pas terminé. Quelques mouvements pourraient survenir avant le 31 août. Le Borussia Dortmund aurait en effet des vues sur l'ailier de l'OL Maxwell Cornet. Les Allemands penseraient à lui pour remplacer Ousmane Dembélé en instance de départ vers le FC Barcelone. Le Barça, justement, qui a enflammé cette journée du 10 août, sur le cas Ousmane Dembélé notamment. Les dirigeants de Dortmund auraient revu le prix du français à la hausse ces derniers jours. Ils demanderaient entre 120 et 150 millions d'euros, au lieu des 100 prévus initialement. Les Catalans auraient formulé une première offre au BVB pour l'international français, à hauteur de 80 millions d'euros, plus des bonus pouvant faire grimper le prix à 110 millions d'euros. Mais celle-ci a été repoussée par le club allemand, qui a dévoilé l'information dans un communiqué. Cependant, plus tôt dans la journée, on se dirigeait tout droit vers la finalisation du transfert de l'ancien Rennais en Catalogne. L'entraîneur du Borussia, Peter Both, indiquait en conférence de presse que l'international français n'était pas présent à l'entraînement aujourd'hui et qu'il ne savait pas où il était. Dembélé semblait finaliser son départ. Cependant, à son retour en fin de journée à Dortmund, l'attaquant français s'est vu indiquer qu'il serait sanctionné jusqu'à ce week-end par le club pour son absence. Le refus de Dortmund sur l'offre du Barça prolonge donc le feuilleton. Les Blaugrana seraient aussi revenus à la charge pour Kylian Mbappé. Selon nos informations, le président du Barça, Josep Bartomeu, a appelé directement le père du prodige français. Ceci afin de lui rappeler l'intérêt que porte le club espagnol à son fils. Et ce n'est pas fini. Selon nos informations, Barcelone va passer à l'offensive ce week-end pour Jean-Michel Seri, le milieu de terrain de l'OGC Nice. Sa clause libératoire est estimée à 40 millions d'euros. Concernant le dossier Philippe Coutinho, les Blaugrana patinent quelque peu. Alors que le Barça aurait formulé des offres à plus de 100 millions d'euros, Liverpool serait resté inflexible et aurait décliné toutes les propositions. Jürgen Klopp indiquant même qu'il était hors de question de vendre le Brésilien, Liverpool n'ayant aucunement besoin d'argent. Enfin, dans le sens des départs, le Barça pourrait faire l'objet d'approches pour Sergi Roberto. La Juve, Manchester United et Chelsea pourraient payer la clause libératoire de l'Espagnol, soit 40 millions d'euros. Cependant, le bourreau du PSG en Ligue des Champions a indiqué qu'il pourrait rester s'il sentait la confiance du club. À Liverpool, même si on a décidé de refuser les offres pour Coutinho, les Reds se penchent sur son possible successeur. Manuel Lanzini, le milieu offensif argentin de West Ham, intéresse le club de la Mersey. Et puis c'est officiel, Jordan Amavi retrouve la Ligue 1. L'ancien niçois arrive en prêt avec option d'achat à Marseille en provenance d'Aston Villa. Il s'agit de la 5e recrue de l'OM cet été. Roberto Soldado, lui, a passé sa visite médicale aujourd'hui au Fenerbahçe. Il devrait rapidement s'engager avec le club turc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.